Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne et puis bienvenue à vous tous les abonnés. Merci d'être toujours là, franchement, je sens de la veine. Je m'excuse de ne pas avoir été là pendant si longtemps et 6 mois d'absence c'est beaucoup, mais je reviens avec encore plus de motivation que jamais. Bon, pourquoi j'étais pas là pendant si longtemps? Eh bien, plusieurs raisons. D'une part parce que je finissais mes études, j'avais pas mal d'examens, etc. Et donc je voulais me libérer du temps. J'ai eu d'autres raisons personnelles. Et puis, au bout de 2 ans, ma chaîne, je trouvais, commençait à s'essouffler légèrement. Bah notamment, je fais moins de vues qu'au tout début. L'important pour moi, c'est pas le nombre de vues, parce que de toute façon, je gagne pas d'argent grâce à YouTube, je ne gagne rien. Mais simplement, j'ai envie que mon travail soit utile. J'ai envie que ça plaise à des gens et que ça puisse vraiment aider des personnes dans le quotidien. Et donc je me suis dit, bah peut-être que mon travail plaît pas. En toute humilité, mon travail plaît pas, ça ne répond pas à un besoin. Et donc je me suis dit, bon bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Est-ce que vraiment ça aide des gens? Ou bien je fais ça de mon petit coin, mais en fait ça correspond à... ça aide personne. Donc du coup, voilà, je me suis posé un peu toutes ces questions. Et je manquais un petit peu d'encouragement. Ce début d'année 2022, j'avais de moins en moins de commentaires sur mes vidéos, moins de pouces bleus. Et donc c'était un peu dur de s'accrocher. Comme quoi les commentaires et les pouces bleus c'est pas dans le vide, ça nous aide vraiment, enfin je pense que ça concerne beaucoup de gens qui sont sur internet, mais on a vraiment besoin de votre soutien en fait. Je ne gagne pas du tout d'argent grâce à YouTube, mais j'ai envie d'avoir un peu de reconnaissance pour mon travail et puis de sentir que mon travail vous plaît, qui vous est utile dans votre quotidien. Et donc voilà, je manquais un petit peu de cette reconnaissance. Donc j'ai décidé de faire une pause qui a été un peu plus longue que je pensais. Mais je reviens avec plein de motivation puisque pas mal de gens sont venus me voir dans la vraie vie et m'ont dit bah on aime bien ce que tu fais, continue, c'est super, etc. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit à quel point ça les aidait. Peut-être qu'ils étaient prêts aussi plus à m'aider parce que finalement je suis toute seule à porter cette chaîne et parfois je me sens un peu seule. J'aurais bien aimé qu'il y ait un prêtre qui m'accompagne plus que ça sur ce projet. Donc heureusement j'ai mes proches qui m'aident et heureusement sinon ce serait, je pense, pas possible. Mais j'ai peut-être besoin d'être plus entourée, de me sentir plus soutenue. Rien que par l'église mais aussi voilà, par vous la communauté, par mes merveilles. Même si vous êtes toujours là et vous avez toujours des super commentaires hyper enrichissants, soit des super questions, j'aime énormément répondre à toutes vos questions par commentaire. J'ai répondu à une question dernièrement qui m'a beaucoup plu. J'ai besoin de lire vos commentaires qui m'encouragent, j'ai besoin... En fait j'ai besoin de vous sentir présent parce que il y a vraiment une distance avec internet entre le réel et le virtuel. En fait mon témoignage il est seulement virtuel et du coup je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir dans vos vies. Si c'est vraiment positif ou pas, si ça vous aide vraiment ou pas. Et donc moi j'ai besoin de ce lien avec vous que j'ai peut-être manqué ces derniers temps. Mais j'ai réussi à le retrouver un petit peu et à retrouver la motivation et j'espère que j'arriverai aussi à mieux répondre à vos besoins, à avoir des propositions qui correspondent mieux à ce que vous voulez. En tout cas je vais tout faire pour. Vraiment vraiment s'il vous plaît mettez-moi en commentaire ce qui vous intéresse, les sujets que vous voulez que j'aborde, comment vous pensez que ça peut être une bonne chose de tourner les choses, si vous voulez que je mette plus d'humour dans ce que je fais ou que je sois plus posée, plus calme, etc. Enfin voilà, moi vraiment j'ai envie de savoir ce que vous voulez pour m'adapter à vos désirs aussi, parce que c'est pour vous que je fais tout ça. Je passe des heures et des week-ends à travailler, parfois toute seule comme une malade sur mes scripts, pour filmer mes vidéos et puis d'ailleurs là j'ai pas du tout fait de script, c'est un peu la one again. Et puis pour le montage vraiment j'y passe mes week-ends et tout mon temps, enfin beaucoup de mon temps libre et donc j'ai besoin que ce soit utile. En fait, je veux pas faire ça dans le vent. Je pense vraiment que ça l'est. Et j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient oui, moi ça me rapproche de la foi que tu fais, ça me rend Jésus plus proche. Ou bien tiens, je vais partager telle vidéo à un proche qui va pas bien, qui a besoin d'être soutenu. Ça me touche énormément. Vraiment, ça c'est super important. Et peut-être j'en ai besoin juste un peu plus ou plus régulièrement. Mais quand vous faites ça, je vous promets que ça me touche énormément et j'ai besoin de ça. Donc merci à vous les merveilles d'être là, d'être si présents. Merci pour tout ce que vous faites, pour tous vos pouces bleus, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages. Chaque partage est hyper précieux à mes yeux. Chaque abonnement, chaque commentaire, merci pour tous vos commentaires aussi. Pour tous vos commentaires qui sont toujours super bienveillants. J'ai très rarement eu de mauvais commentaires et ça vraiment... Je préfère avoir peu d'abonnés mais des super abonnés comme vous plutôt que d'en avoir des milliers. Franchement, enfin, vous êtes une super communauté et c'est pour vous que je continue tout ça. Même si des moments j'ai envie d'abandonner parce que c'est beaucoup de travail et je me rends pas toujours compte de ce que ça fait dans votre vie. Parce que voilà, il y a cet écran entre nous qui est un peu...
qu'il y ait une barrière finalement. Moi j'ai besoin de vous sentir là, derrière cet écran, qui m'écoutez. Et de sentir que vous êtes présent et que vous me soutenez. C'est un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc si un jour j'ai plus aucune personne qui regarde mes vidéos, je me dirais bon bah peut-être que ça correspond pas à un besoin et donc en toute humilité j'arrêterai. Mais moi sinon je fais ça vraiment pour vous, pour que ça vous aide. Donc je compte reprendre une vidéo par mois, comme d'habitude. Je m'autorise une fois par an à en louper une, mais c'est tout ce que je m'autorise. Je fais vraiment très attention à vous en faire toujours une par mois. Et après je vais vraiment essayer d'en faire plus souvent, peut-être des vidéos plus courtes, plus concises, mais vraiment... pour vous offrir plus de contenu, parce que en fait avec l'algorithme c'est normal qu'au bout de 2 ans ma chaîne s'essouffle un petit peu et que je fasse moins de vues, parce que tout simplement je propose pas assez de contenu pour cette plateforme, ce qui est vraiment dommage. Enfin c'est comme ça que fonctionne finalement l'algorithme de YouTube, et donc je pense que si je veux rendre le message de Jésus accessible à plus de gens, eh bien il faut que je me mette à la page, que je corresponde un petit peu à l'algorithme. Et donc je vais essayer de faire plus de vidéos, des vidéos plus courtes sur des sujets plus précis. En tout cas dites-moi si cette idée vous convient, vous plaît. Moi vraiment je fais ça pour vous, donc j'ai besoin de savoir vos besoins aussi. Et puis n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires pour m'encourager. C'est vraiment, pour moi c'est le plus important. Ensuite ce qui est super important c'est de me mettre des pouces bleus aussi pour m'encourager. Et puis après vous pouvez vous abonner et partager aussi. Tout simplement moi je le fais vraiment pour faire connaître Jésus, pour partager ma joie tous les jours, parce que vraiment ma foi me rend profondément heureuse, me permet de traverser les épreuves les plus difficiles de ma vie. J'aimerais vraiment que les gens puissent avoir accès à ce bonheur, à cette aide là. Voilà, je trouve que YouTube c'est quand même un bon moyen, parce que ça permet d'avoir ce message en tout temps et en tout lieu. Mais ça a besoin d'être un petit peu relayé, je pense, si on veut que ça marche. Je compte sur vous là, franchement c'est entre vos mains, je vous fais confiance. Et puis merci encore pour votre soutien, mais depuis le début. Et merci pour tout ce que vous faites depuis le début. Je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Soit dans un mois, mais je pense qu'il y en aura une qui sortira plus tôt, parce que finalement j'ai pas beaucoup sorti de vidéos ces derniers temps. Et bien à très vite, merveille, que Dieu te bénisse et qu'il t'inspire un merveilleux commentaire pour me soutenir et me dire à quel point je suis géniale. Je rigole.